Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi Eden TV pour vous informer. Voici en titre quelques éléments qui meubleront cette édition. Le gouvernement a porté ce lundi un appui matériel à la Société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokwe, et ceci pour favoriser la collecte et le transport des ordures ménagères. Vous suivez le point dans ce journal. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a effectué la semaine dernière une descente dans les départements du centre et du nord Bénin. Vous suivez dans ce journal sa déclaration à la presse au terme de la dite tournée. Campagne de vaccination contre le virus d'Ebola en République démocratique du Congo. Cette fièvre hémorragique est réapparue dans l'est du pays au début de ce mois de février. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous. La Société de gestion des déchets et de la salubrité urbaine du Grand Nokwe, SGDSGN, a bénéficié d'un accompagnement du gouvernement à travers une cérémonie de remise de camions dans l'après-midi de ce lundi 15 février 2021. Ceci vise à faciliter le ramassage et le transport des ordures ménagères dans le Grand Nokwe. Les précisions avec Carole Olaï. Bientôt la fin des difficultés inhérentes aux collectes et au transport des ordures ménagères au Bénin. Le gouvernement vient de doter la Société de gestion des déchets de salubrité du Grand Nokwe de nombreux moyens roulants afin de mieux gérer le transport des déchets ménagers estimé à plus de 400 tonnes par an. Le gouvernement a fait l'effort de dépenser plus de 7 milliards de nos francs pour équiper la SGDS, GN, en camion ampli-rôle. Nous en avons 50, je crois. Et puis en baume, en bennes à ordures ménagères, les bennes tasseuses que vous voyez déjà circuler dans les quartiers centraux, il y en a 30. Et donc 80 matériels roulants de grande capacité. Et maintenant des bacs et des remorques. Le tout pour faire un transport performant. Dans les 2 mois qui viennent, nous allons récupérer la totalité des camions, des remorques, des bacs, et nous serons en pleine capacité d'opérer depuis la collecte jusqu'à l'enfouissement sans problème. Des engins déjà répartis selon les contraintes liées au ramassage et au transport des déchets dans chaque localité du Grand Nokwe. Nous avons 110 points de regroupement sur lesquels les 212 caissons vont être répartis. Nous avons 200 de transfert, un à Guégamin et un à Semepodi qui vont recevoir les caissons de 30 mètres cubes, puisque là, nous faisons l'économie d'échelle en mettant des grands bacs. Et mieux, avec les 12 remorques, nous pouvons collecter désormais, nous pouvons enlever 60 mètres cubes. Donc, nous avons sur les différents points de regroupement des agents de points de regroupement qui font le suivi quotidien de tout ce que les PME ramassent des maisons sur les points de regroupement. Nous voulions de remercier le chef de l'État qui, pendant tout le temps, s'est impliqué dans ce projet, et remercier également tout son gouvernement pour l'accompagnement permanent qu'ils apportent à la SGDS. Des dispositions ont été également prises par les autorités en charge de la gestion des ordures dans le Grand Nokwe, afin d'assurer une bonne maintenance de ces moyens roulants utilisés par des conducteurs qualifiés. Je vous l'annonçais en titre, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a effectué la semaine dernière une descente dans les départements du centre et du nord Bénin. L'objectif de cette tournée est de faire la restitution des résolutions prises lors du 3e congrès du parti et sensibiliser les populations à la préservation de la paix. À l'issue de sa tournée, elle a fait une déclaration à la presse. Voici un extrait de ses propos. C'est que nous avons voulu que nos militantes et militants, ainsi que les autres citoyens dans nos communes, puissent intégrer la nécessité de cultiver la paix. Chez nous, à l'UDBN, la paix est non négociable. Aucun sacrifice n'est de trop pour préserver la paix, et nos militantes et militants, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, doivent être des artisans
de premier rang de la paix. Dans une période aussi sensible que celle de l'organisation d'une élection présidentielle, il nous fallait descendre vers eux pour le dire, pour le leur répéter. C'est donc ce que nous avons fait et partout où ma délégation et moi-même sommes passés, c'était la satisfaction. À l'UDBN aujourd'hui, nous combattons deux virus, à savoir le virus de la violence et le coronavirus. Nos militantes et militants de l'Union démocratique Point Bénin Nouveau ont pris l'engagement de sensibiliser non seulement leur père, membre de l'UDBN, mais aussi tous les autres citoyens dans leur périmètre d'influence. Lutte contre la propagation de la COVID-19 au Bénin, les dispositions et mesures barrières sont-elles toujours respectées dans les collèges? Carole Olaye a sillonné ce lundi certains établissements d'enseignement général de la ville de Cotonou pour se convaincre du respect et de l'application, bien sûr, des recommandations des autorités en charge de la santé. Images et sons, Saint-Baptiste Boko. Nous sommes ici en face de l'un des plus grands établissements publics de Cotonou. Il s'agit du Collège d'enseignement général Bégamin. Il est 9h45 et ses élèves, pour la plupart, attendent 10 heures pour avoir accès à leur salle de classe. Triste constat, aucun respect des mesures barrières pour éviter la propagation de la COVID-19. Rares sont les apprenants qui se sont protégés en portant le masque recommandé. Non-respect de distanciation sociale, état défectueux de la majorité des dispositifs de lavage des mains existants. Bref, les élèves semblent tous indifférents à la menace de la COVID-19, alors que les autorités en charge de la santé ne cessent d'insister sur le regain des cas graves dus à la contamination au coronavirus qui n'épargne plus la jeunesse béninoise. Le masque est à la maison parce que je l'ai oublié. Aujourd'hui, il était 9h30 et j'étais un peu pressé. Je l'ai laissé sur la table à la maison. Arrivé à l'école, je me suis rappelé que j'ai laissé ça. Il n'a pas de l'eau dans le dispositif de lavage de mains, ni du savon. Et il n'a pas beaucoup de place pour les élèves non plus parce que les élèves, ils cassent toutes les choses dans l'établissement. Et on ne respecte pas le 1 mètre parce qu'à la sortie de récréation, on se mélange pour payer chez les dames. Les dames ne portent pas du gant ni de cache-nez pour vendre aux élèves. Donc, on est obligé d'attraper le coronavirus. Un tour au Collège d'enseignement général Sainte-Rita révèle presque le même constat. En plein cours, la distanciation sociale et le port des masques sont respectés dans certaines salles de classe. Par contre, dans d'autres, c'est à la vue de notre caméra que les élèves se sont empressés de sortir les masques de leur poche ou de leur sac pour se protéger le nez et la bouche. Je n'ai pas amené mon masque parce que j'ai oublié de mettre ça dans ma poche. Une situation que déplorent les responsables de ces établissements qui ne se lassent pas de sensibiliser les apprenants. Au risque de mettre leur vie en danger, les apprenants n'hésitent pas à faire preuve d'incivisme en volant ou en endommageant à dessein les dispositifs de lavage des mains. Ils détruisent le système exprès. Quand on les punit, on dit « bon, remplissez-nous 2 à 3 systèmes ». Ils disent « ah monsieur, le système ne fonctionne plus ». Et puis effectivement, quand on met l'eau, comme le robinet a été endommagé, ça coule. Au départ, c'était strict, puis après, il y a eu un relâchement. C'est ce relâchement-là qui a fait que nos enfants ont du mal à suivre nos instructions. Ils nous disent même que la maladie n'existe pas. Le respect des gestes barrières dans les établissements reste donc un casse-tête pour les responsables à divers niveaux. La contribution des parents d'élèves dans la sensibilisation de leurs enfants à la maison ne serait donc pas de trop en cette période critique que traverse le pays en enregistrant depuis plusieurs semaines une augmentation sensible du taux de contamination à la COVID-19.
Les fidèles et adeptes de la divinité Lossou Loshi se sont retrouvés le week-end dernier dans le Koufo autour du dignitaire Kweto Mediko Chami. Et c'était dans le cadre de leur rencontre annuelle qui s'est tenue dans une localité appelée Tokame Montou dans l'arrondissement de Lanta. Suivez ici le compte-rendu de Jonas Boshi. Ils sont venus de toutes les régions du Bénin et d'autres pays africains pour prendre part à ce rendez-vous annuel en l'honneur de la divinité Lossou Loshi, une ressource spirituelle africaine dont le dignitaire Kweto Mediko Chami fait découvrir la puissance à ceux qui assistent impuissants à l'assombrissement de leur vie suite à de malheureux événements qui bouleversent le cours normal de leur existence. C'est depuis 1968 qu'il a commencé par faire des cérémonies. Si on t'a amené dans la chambre que tu l'as vu là, il faut savoir que tu es guéri. Avant qu'on commence les vraies choses, il faudrait qu'on aille sous un arbre qu'on appelle Iroko. C'est ce trajet-là qu'on est en train de faire maintenant. Il y a des rituels que nous allons faire tout à l'heure là. Nous sommes dans le département du Koufo ce samedi 13 février 2021, tandis que les non-initiés se laissent distraire par cette ambiance apparemment culturelle. Le cultuel impose aux initiés, selon leur degré d'initiation, des limites à ne pas franchir dans ce village de Tokame Montou, dans l'arrondissement de Lanta. Les vrais rituels vont commencer tout à l'heure dans la clôture de l'Irokola. Les grandes prières commencent ici et le reste se fait dans la chambre là-bas à la maison. C'est une seule fois qu'on vient par an. C'est les vrais adeptes qui rentrent au pied de l'Iroko. Après avoir confié à la divinité les vœux de prospérité sur tous les plans, les initiés font pleuvoir sur le dignitaire des billets de banque, signe de gratitude pour la satisfaction aux prières de l'année précédente. C'est l'héritage de ses ancêtres. Et comme il a pris la voix des ancêtres, tout est bon et nous accompagne. Nous n'avons connu que le vaudou. Nous y sommes nés et y avons grandi. Tout comme nos ancêtres, nous y demeurons. Nous n'allons pas abandonner nos valeurs traditionnelles. L'abandonner, c'est se perdre. C'est depuis 19 ans que je viens dans ce village. Si je n'y trouvais pas satisfaction, je ne continuerais pas à venir. Au nombre des personnalités aperçues à cette rencontre, il y avait le prince héritier du roi Glélé. Il se dit fier de cet héritage légué par les ancêtres. Vous savez qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme. Et tout ce que nous avons comme de culture aujourd'hui émane des religions endogènes que nos aïeux nous ont laissées depuis plus de 400 ans. Et il est tout à fait normal que ceux aujourd'hui qui sont les détenteurs de ces richesses-là puissent les conserver et les léguer aux générations montantes. Nous sommes fiers d'appartenir à ce Bénin, Est Dahomey, avec ces valeurs que nous avons laissées, qu'aujourd'hui nous avons nos pères qui se sont y attachés très profondément. Hors du couvent et ôté des parures sacrées, le dignitaire nous parle des bienfaits de cette divinité. Les adeptes de ce vaudou ne connaissent pas de mort subite. Ils sont à l'abri de la précarité et toutes les demandes positives sont exaucées. Il est foncièrement contre le fait que certains dignitaires mettent le pouvoir spirituel à la disposition de jeunes gens qui l'exploitent à des fins inappropriées. Il n'est pas bon d'user du pouvoir du vaudou pour faire du mal. Ceux qui le font offensent la nature. Kweto Mediko Chami ne s'inquiète pas pour la prochaine élection présidentielle au Bénin. Il rassure que tout se passera bien. Cette élection se déroulera dans la paix et la quiétude. Il n'y aura pas de trouble. Les divinités africaines sont les rares ressources du continent que le colonisateur n'a pu s'approprier. Et inlassablement, de dignes Africains comme ce dignitaire se battent pour préserver la spiritualité africaine contre les farouches assauts des religions étrangères.
En interactualité, une campagne de vaccination contre le virus d'Ebola a démarré en République démocratique du Congo. Cette fièvre hémorragique, souvent mortelle, est réapparue dans l'est du pays au début du mois de février. 4 cas, dont 2 mortels, ont été recensés selon l'Organisation mondiale de la santé. Et des cas de décès ont également été enregistrés en Guinée, d'où était partie la pire épidémie de l'histoire du virus. Reportage. 5 ans après la fin de l'épidémie, la Guinée affronte de nouveau Ebola. Selon le directeur de l'agence sanitaire, les contaminations ont eu lieu lors d'un enterrement. L'inhumation d'une infirmière infectée qui s'est déroulée au début du mois à Goueke, en Guinée forestière. On a eu un de nos citoyens qui est tombé malade, malheureusement qui a succombé, dont les enterrements ont eu lieu à Goueke à partir du 1er février. Et malheureusement, certaines personnes qui ont pris part à cet enterrement, quelques jours après, ont commencé à avoir des manifestations de diarrhée, vomissement, saignement et de la fièvre. Une situation épidémique qui inquiète la population, déjà préoccupée par la pandémie de Covid-19 et qui rappelle de mauvais souvenirs. Entre 2013 et 2016, le pays avait connu la pire épidémie de l'histoire du virus Ebola. Vraiment paniqué. Je n'ai même pas pu me contrôler lorsque j'ai appris encore qu'Ebola est revenu en Guinée. Nous sommes des Africains, nous sommes pauvres. Et si une maladie comme Ebola ou bien coronavirus apparaît en Afrique, donc vraiment c'est Dieu seulement qui va nous sauver. Ça m'a vraiment surpris, compte tenu de la situation actuelle de la Guinée. Nous, Guinéens, avec la pandémie, plus l'Ebola, ce sera réellement une catastrophe. En 2013, depuis le sud-est de la Guinée, Ebola s'était propagé dans les pays frontaliers, au Libéria et en Sierra Leone. 3 ans plus tard, l'épidémie s'achevait après avoir atteint 10 pays, dont l'Espagne et les États-Unis. Ebola avait alors entraîné la mort de plus de 11 300 personnes, dont au moins 2 500 dans la seule Guinée. Malgré le développement d'un vaccin par un laboratoire canadien, il n'existe toujours aucun vaccin homologué ni traitement. Enlisement politique en Tunisie, alors que le Premier ministre vient de limoger 5 ministres, les derniers proches du président Saïd. Ce dernier avait convoqué jeudi au palais de Carthage une poignée de députés pour tenter de trouver une solution constitutionnelle et politique à cette crise. Une impasse politique persistante qui ne fait que confirmer les craintes du président de la République tunisienne. Alors que son premier ministre, Hichem Mechichi, souhaite imposer 11 nouveaux ministres à l'issue du dernier remaniement gouvernemental, voilà qu'il annonce aujourd'hui le limogeage de 5 ministres, les derniers proches du président Kais Saied. Une déclaration qui ne fait que confirmer la stratégie du premier ministre, bien décidé à faire valoir ses alliés, notamment ceux du parti islamiste Ennahda. De son côté, le président Saïed compte bien résister. Jeudi, il avait reçu au palais de Carthage un groupe de députés de tous bords afin de trouver une issue politique, mais surtout constitutionnelle, à cette nouvelle crise au sommet de l'État. Je m'adresse à nos détracteurs aujourd'hui et depuis ce palais. Le peuple est face à vous et j'en fais partie. La Constitution est derrière vous et je suis le garant de son application. Vous n'avez nulle part où aller. Le député Atem Meliki était l'un d'entre eux. Lors de sa visite au palais de Carthage avec 9 autres députés, l'heure semblait être à la contre-attaque autour du président qui n'a pas hésité à parler de trahison. On a discuté la crise gouvernementale. Pour le président de la République, il pense que le choix de M. Mechichi n'a pas été uniquement un choix de personne, mais c'est un choix de démarche, de la nature du gouvernement, qui est un gouvernement technocrate complètement indépendant des partis politiques. Pour lui, il trouve que c'était entre guillemets une trahison qui a été faite par M. Mechichi, qui le considère avoir
conclu des accords relativement secrets. Ils ne sont pas aussi secrets que ça, parce que les partis politiques qui soutiennent Chichi l'ont déjà annoncé dès le début qu'ils allaient procéder à un changement de la nature du gouvernement, de ses objectifs, de manière d'opérer. Pour le président de la République, ça c'est quelque chose d'intolérable sur le plan éthique, sur le plan de l'exemplarité par rapport du gouvernement, mais c'est aussi un coup d'État par rapport à l'orientation qu'il avait pour lesquelles choisi M. Chichi. Parmi les idées proposées lors de cette réunion, celle de lancer un dialogue national, seule solution consensuelle pour éviter un scénario catastrophe. Moi, personnellement, j'avais proposé qu'on revienne au dialogue national. C'est la plateforme, la base à partir de laquelle on pourra définir un projet pour le gouvernement, on pourra ici définir une nature et une composition du gouvernement, mais aussi donner les garanties par rapport aux bailleurs de la fonds, connaissant la crise financière de la Tunisie. Cette situation de crise ne date pas d'aujourd'hui, elle n'a fait qu'empirer au cours de derniers mois. Un triste constat selon Nizar Makni, journaliste au quotidien El Sabah et analyste politique. Pour lui, depuis la révolution de 2011, l'écriture de la nouvelle constitution adoptée en 2014, qui a mis place à une république dite semi-parlementaire, a favorisé la multiplication d'alliances partisanes et contrarié la mise en place des réformes nécessaires et l'alternance politique. La seule solution, au-delà des solutions constitutionnelles, est de se diriger vers un dialogue national fondé sur trois volets, politique, économique et social. Le plus important à l'heure actuelle est le premier aspect, à savoir le politique, car il est indispensable d'opérer des changements en profondeur de notre république semi-parlementaire, qui s'est avérée incapable de résoudre la crise que nous traversons. Au contraire, elle n'a fait qu'aggraver la situation sans apporter aucune solution qui pourrait profiter au peuple et au pays dans son ensemble. Les réunions se multiplient au palais de Carthage autour du président de la République pour trouver une sortie à cette crise politique et économique qui gangrène tout un pays. De son côté, le Premier ministre Mechichi tente coûte que coûte de prouver la constitutionnalité de ce remaniement ministériel, une situation chaotique alors que le pays traverse une sombre période de son histoire d'un point de vue sanitaire, économique, mais également social, alors que plusieurs portefeuilles restent vacants, notamment celui de l'intérieur, du transport ou encore de la santé. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.